Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face, un nouveau numéro. Il est question de parler sport. On n'en parle pas assez. Je pense même que ça doit être le premier numéro de l'année en termes de sport et la boxe. Mais d'abord, la nouvelle avec Junior Makabu qui va combattre aux États-Unis. Et puis, on lui souhaite toutes les chances. Je pense qu'il va gagner. Mais après, ici au Congo, comment ça s'organise? Est-ce que les boxeurs sont-ils pris au sérieux? Est-ce que cette fédération a tout son sens? On en parle avec M. Alain, avec qui nous allons discuter sur la question. D'abord, il va nous dire qui il est en matière de sport et pourquoi veut-il finalement être président, pourquoi il voulait être président de la fédération, qu'est-ce qu'il reproche à l'ancienne gouvernance et la question fatidique, pourquoi a-t-il retiré sa candidature. On en parle. Comment allez-vous, monsieur Alain? Bien, je m'appelle Alain Franck Monzelo-Cessé. Mon nom, ça se prononce pas seulement par Alain, il faut aller jusqu'au bout. Ah, oui. Alain Franck Monzelo-Cessé. Monzelo. Mets un accent puissant. Oui. Ça signifie qu'il y a une force dessus. Ah, d'accord. Ok. Les gens qui me connaissent, j'étais président de la fédération. Et c'est quoi déjà ce que vous touchez? Ça, c'est programmer mon stress. Quand on est devant vous, il y a le stress. Hein. Alors, pour calmer ça, en tant que boxeur, je m'apprête à m'adoucir. Très bien. J'étais président de la fédération zaïroise de boxe de 87 à 88. Pourquoi cette durée si courte? Généralement, la présidence, ça dure 4 ans ou 5 ans. La réponse viendra. Lors, je prends un résumé. Hein. Lorsque le Congo s'est rendu aux 4e Jeux africains en Nairobi, à la grande surprise de tout le monde, j'ai eu à parler avec le ministre camerounais à l'époque, qui, leur candidat, il visait aussi ce poste-là. Mais après m'avoir auditionné, il a préféré que j'occupe le poste. J'étais président de la Confédération africaine de boxe zone 4, wow. C'est-à-dire les 12 pays d'Afrique centrale, et aussi vice-président de la Confédération africaine de boxe au niveau Afrique. Combien de temps? Ça a duré, la boxe a duré une année, tout simplement parce que après la compétition, ils m'ont alloué un montant de 2 millions de dollars. Il était question qu'ils mettent 2 millions de dollars pour relancer la boxe au niveau africain. Quand ça tombait dans les oreilles de nos frères aînés qui étaient sur place, ils m'ont viré sans raison. Ouais. Ah ben, la Confédération africaine de boxe a pris vent de l'histoire, ils ont cessé le projet. Okay, ce qui fait que mon mandat a duré seulement à peine une année et demie, mais j'ai eu le temps de ramener 3 médailles ici, 2 médailles d'or des Jeux africains et 2 d'argent. On s'est rendu en 88 aux Jeux olympiques de Séoul, moi en étant le président de la zone, puisque je n'étais plus président de la fédération. Donc, je suis dans la boxe depuis ma naissance. Depuis l'âge de 13 ans, j'ai fait la boxe ici. Et vous avez commencé la boxe ici au Congo? Ici au Congo, j'ai été avec le président Ngunza du club Kaké. Okay. Et puis de la famille avec Mamba Chako. Vous avez un nom que vous avez entendu. Là, ils peuvent venir ici. Oui. Mais ils sont tous frustrés par la nouvelle gérance de la boxe. Alors, avant d'y aller, qu'est-ce qui vous a poussé à faire la boxe d'abord? Je crois que c'était mon tempérament. À 13 ans déjà, je faisais un peu du judo à l'époque chez Decanter, mais je trouvais ça un peu mou. Or, j'avais des parents comme Mamba Gabriel, le frère de Mamba Chako, qui était entraîneur de boxe. Moi, je voulais. Quand on est jeune, on a envie de se mesurer contre les autres. Mmh. La boxe, c'est direct, direct, si on peut le résumer dans ce sens-là. C'est parti. Je suis tombé dans un encadrement idéal avec Ngunza Kibale qui était là, et avec Mamba Jupiter, ce qui fait sa facilité. À l'âge de 16 ans, moi, je suis en Europe, en Belgique, depuis l'âge de 16 ans, en 69, septembre. C'est là où j'ai commencé à boxer un peu. Mais avec mes 3 années d'expérience de boxe continue ici, je donnais un peu l'impression d'être un semi-pro. J'étais avec des bons boxeurs à l'époque. Pendant 3 ans, je m'entraînais assez régulièrement. J'arrive en boxe. En boxe, généralement, on commence comme novice, amateur, semi-pro et pro. Mais moi, on me prenait déjà comme un amateur. J'avais 16 ans. Et puis, ma priorité, c'était les études. Okay? Et tu fais la carrière professionnelle après? Non, pas du tout. Ok. Donc, vous n'avez jamais fait la carrière professionnelle? Non, pas du tout. Parce pas en compétiteur fait, en compétition, au niveau amateur. Mais il y a une chose en boxe, hein. La boxe, ce n'est pas comme les autres sports. C'est un sport difficile. Très difficile. Si vous-même, si vous avez la chance de vous rendre aux Jeux Olympiques, vous allez vous rendre compte que les gens qui s'entraînent déjà à partir de 4 heures du matin, ce sont les boxeurs de différents pays. Les autres athlètes, ils dorment. Pour dire que la boxe, c'est quelque chose de très sérieux. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez une grande fédération. Les Congolais, ils adorent la boxe.
Mais vous avez des gens qui dirigent la boxe, ils ne connaissent pas la boxe. Donc, ils mettent la vie des enfants, des autres en danger. Est-ce qu'il y a des répercussions? En fait, qu'est-ce que vous reprochez depuis longtemps? Quel est le mot qui, ou les mots qui rongent la boxe congolaise? La mauvaise gérance par les gens, par les novices. Des gens qui ne connaissent pas. Qui ne connaissent pas la boxe, qui dirigent la boxe. Est-ce que ce n'est pas une question politique, tout simplement? Est-ce qu'il faut connaître la boxe pour gérer la boxe? Vous savez, au niveau, il faut, avant de gérer la boxe, vous êtes dans une fédération avec les autres membres. Tout dépend du niveau intellectuel des gens qui gèrent avec vous. Si vous n'avez pas le niveau intellectuel équivalent aux gens de la fédération, il y a déjà une guerre des idées, de la vision et du progrès du sport. Est-ce que vous avez déjà parcouru le budget alloué à la fédération de boxe au Congo depuis le temps, depuis le boxe des Aïeux? Il n'y a jamais eu un budget. Je gérais la boxe. Quand vous gérez les enfants et tout le monde dans l'argent de votre poche. Mais exceptionnellement, depuis que le président Fatshi est là, depuis l'année dernière, je n'ai pas eu de documents en main, mais il a sorti plus de 3 millions de dollars. Ce qui fait que les données ont changé complètement. Est-ce que ça, c'est la rue qui parle ou les faits qui parlent? Les faits, les gens de la fédération, les gens du ministère du sport, ils ont des documents en main sortant du ministère des Finances. Donc, techniquement, le président de la République a vraiment besoin que la boxe... De relancer la boxe, parce qu'il connaît quelque chose de la boxe. Il est boxeur? Il en a fait. Il s'entraîne à Bruxelles avec un de nos boxeurs à l'époque. Ils sont là, ils connaissent la boxe, ils mettent le paquet. Quel est l'avantage de la boxe d'abord? Parce qu'on taxe la boxe comme un sport de contact, mais surtout violent, parce qu'après ça touche la tête, et puis c'est très compliqué. Est-ce qu'il y a un avantage à faire la boxe? Est-ce qu'on appelle le judo noble art? Non. Oui, le judo c'est comme un art noble. Oui, mais la boxe c'est noble art. La boxe, il faut connaître la boxe. Oui. On est boxeur, quand on a appris la boxe d'une façon appliquée, la boxe c'est un jeu. Quand un direct de gauche arrive, vous esquivez, vous partez à gauche, vous bloquez, tout ça, vous jouez. Généralement, les gens viennent, ils sont forts, ils viennent se battre. Là, ils courent un risque. Or, si vous avez les gens qui dirigent les fédérations, qui ne connaissent pas les niveaux des boxeurs, qui amènent les boxeurs de niveau novice à boxer contre les amateurs qui sont déjà avancés, il y a un danger. Actuellement, en ce moment, il y a des combats à la RTNC. Mais si vous regardez le niveau national, c'est très bas. Pourquoi? À cause de l'encadrement. À cause de l'encadrement que le problème se pose. Mais ma raison d'être ici... sur ce plateau, parce qu'on risque de l'oublier, avec Christian, il vous amène dans tous les sens, c'est de contester les élections qui auront lieu le 31. Pourquoi? Tout simplement, je vous ai donné la lettre. Je vais la lire, mais là, vous me menez directement au but du sujet. On risque de finir l'émission dans 2 minutes. Ah, d'accord. Je voudrais que l'on fasse d'abord une image assez transversale de la question d'abord de la boxe. Le problème de la boxe vient d'où exactement? Est-ce que c'est un problème politique, c'est-à-dire la politique nationale? Est-ce que c'est un problème du ministère qui, aujourd'hui, les gens le disent d'ailleurs depuis un certain temps, le ministère de sport est un ministère de football. Un focus sur le football qui ne rapporte d'ailleurs pas des médailles comme les autres disciplines l'apportent. Est-ce que ce n'est pas ça le problème d'abord? Le problème est profond. Ouais. Avant tout, c'est des fédérations. Il y a une compétition où il y a la bagarre entre les postulants. Il y a certains qui sont là parce qu'ils connaissent, ils ont l'ambition d'amener le sport à un niveau très élevé. Certains sont là parce qu'il y a des frais d'émission. Ils viennent pour se faire des voyages et se faire des frais d'émission. Ils ne viennent pas pour les athlètes. Okay. Il y a déjà ça comme un problème. Quant à dire que c'est politique, non, je ne pense pas. Ça devient politique. Comme en ce moment ici, il y a trop d'argent qui vient à la boxe, tout le monde a les yeux dessus. Ils veulent un peu négocier. Parce qu'il y a des décisions à prendre. La faute est là. On ne punit pas la faute parce qu'on veut laisser passer les choses. Là, c'est mauvais. Mais attendez, si on revient, l'émission ici concerne plus les boxeurs qui ne vont pas nous suivre en français. Ok, il n'y a pas de problème. Tout le temps, la Linga, là, sur Lingui. Mais le Balinga, là, bien. Alors, tout cas, la Linga, là. L'Ikamboza, il y a boxe, nous tous, là. Est-ce que Zokanisa que l'État congolais avant la politique il y a boxe déjà bien définie, mais tu as le but que la compétition Libanda, au moins le boxeur il y a Libanda, bah très discipliné, 4 heures on va dire déjà alors que Bino Bozolala. Est-ce que politique on les a déjà dans nous bien définis? Tout le monde a dit qu'on est ministère, ni mouton, ni maman, ça a été.
Et les dirigeants vont être au salati. Parce que ce sont les dirigeants, il y a boxe, ça, le programme, on va tenir dans le ministère. Ce n'est pas le ministre qui vous dit, faites ça. D'accord. Un boxeur, c'est la compétition. Il faut bunda régulièrement. Donc, deux fois par mois, c'est bon. Ici, il y a les championnats aujourd'hui, cette semaine à Kinshasa. Et puis, ça sera fini jusque l'année prochaine ou avant, comme maintenant la francophonie arrive au mois de juillet, ou je ne sais pas, il y aura encore un tournoi et puis c'est tout. D'où les boxeurs viennent avec la zone en français. Le boxeur, il est bien, solidement. Le boxeur, il est bien, il a un réflexe. Il y 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 a un. Mais bon, quand même, il y a un réflexe. Parce que c'est dirigé par Bato Bayebi Box. Alors, ce que vous avez comme président, vous avez une place pour remettre les choses en place. Et là, vous avez une place déjà avant, ou vous avez une place pour ça. Je suis entraîneur de la boxeur. Ok. Ok. Donc, le boxeur, comme on est en Afrique du Sud, papa n'a pas envie de s'entraîner qui bango. Moi, quand on a le sport, on a la publicité, la gilette. Manda. Il est candidat avec nous. Il est ici. Il y a pour la poste. Tout ça, quatre personnes qui ont postulé à la présidence. Donc, il y a le président actuel, le général Luyo. Il y a Manda. Il y a le président Aimé. Et puis moi, c'est Franck Monzelo Sissi. OK. Il y a eu une sélection. Après avoir éliminé les deux autres, Manda et le président Aimé, je suis resté le seul. On va y avoir critère. Il y a une chose, hein, si en résumé, le président Aimé, c'est quelqu'un qui est du karaté, qui est venu en boxe. Il a fait 4 ou 5 mandats. OK? Le président, le boxeur Manda, il n'a pas encore dirigé la boxe. Il a dirigé la boxe au niveau de la commission professionnelle. Mais ses compétences au niveau de la direction, parce qu'il faut diriger la boxe et la fédération. D'où souvent il y a des conflits. Quand il y a, pas de connexion de management entre le personne qui est le leader et les autres, il y a dislocation de communication. Oh, bah, il y a raté. Parce que niveau des amortis, il fallait pas, pour être président de la fédération, minimum, il faut être licencié universitaire. Déjà, niveau raisonnement est changé. Il y a eu un quatrième primaire à l'école, à peine, à diriger le docteur et tout ça. Déjà, conflit communicationnel et côté à quatre. Au long de l'année. On veut relancer la boxe. Partout dans les rues ici, vous trouvez des judokas, il y a des poids lourds. Petit, ça, c'est un judo. Ce poids lourd-là, boxe, c'est intéressant dans l'athlète. Quelqu'un qui fait au-delà de 91 kg, il est poids lourd. N'est-ce pas que vous êtes champion, là, ce qu'il y a au sol d'entraînement contre les autres champions américains, ils viennent avec le sparring dans le bango. Le fait qu'il y ait au sol d'entraînement 3 rounds par jour contre les champions du monde, tu as 1 000 $. Okay. Donc, en un mois, on coûte 25 000, 30 000 dollars. Comme ça, sans compétition, entraînement caca. Le judo, tu peux être champion du monde, même 1 000 dollars au doigt. Tu as peut-être des primes. Bien sûr, hein, c'est pas possible. C'est ça la différence. Or, les enfants ici sont très motivés. Ils ont motivation est belle, balingue sport en haut, balayebi en haut, mais bozo pèse vraiment chance pas bondater. Alors yo, pour moi, j'ai une super carrière. Je suis pensionné en Angleterre. Ma fille, ma dernière fille, est à 32 ans. Yo, on a bien un gros bébé Christian parce que je me dis, ma fille est née à 44 ans. Yo, on a parlé d'un gros bébé na 4. Yo, on a bien un gros bébé Christian. Mais ici, c'est moi qui pose des questions de toute façon. Ah, on va poser ma question. Donc, tant on a gagné, on a un gros on a eu la Congo les bella pendant ça là et l'eau qu'on a l'inga. Pour remettre le sport dans la place. Mais comment l'Angleterre est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un sport? Moi, je suis financial advisor. Moi, je travaille dans les assurances et tout ça. Ah, d'accord. Alors, non, la boxe, j'en ai fait il y a longtemps, mais j'entraîne des gens. Mais sauf que les boxeurs, on a mis au côté de mon aligne avant côté. Au dire, au entraîner, au loger, au nourrir. Tant que comme un professionnel, on a porté à Bossanibino. Aïebibino, il s'est assigné à Mundi la Bossanibino. Valérie Kayumba, qui était directeur technique, boxeur, on a mis au côté. Tout ça, on a bangé Bélé Bakenda.
Fin carrière, c'est ça que j'aime pas trop dans un boxeur. Alors, maintenant, il y a un changement de tennis, par exemple. Peut-être que nous idée, non, après tout, il y a un la candidature. Qu'est-ce que tu allais faire techniquement dans son premier jour, non, on va s'en tenir. Maintenant, il y a un deadline. Tu vas aller dans la francophonie dans moins de 6 mois. Il faut beaucoup de compétitions. Mais à part ça, il faut relancer la boxe au niveau primaire, des écoles, du quartier, oui, des ententes. Il faut des compétitions. Miracle, monsieur Zadé. Il faut faire pour les handicapés, pour les jeunes filles et tout ça. C'est vrai, tout le monde peut le faire. Il y a le temps. L'urgence maintenant, c'est les francophones. Pesa ba boxeur, chance, c'est Babunda. Chaque week-end, parce que vous avez 1 000 000 $, un tournoi c'est 3 000 $. Les rings vous appartiennent. Boluki, amateur, vous avez une bonne mobilité. Vous avez besoin de compétition. 2 combats par mois. Na Changu, na Ngalema, na Kota Kinshasa, Kinshasa Koninga. Mais est-ce que vous avez une infrastructure? Ezali, ba ring ezali. Ko compliqué en hôtel ou infrastructure, vous avez une commune, une zone, un parc, on a beaucoup de portes, beaucoup de rings, beaucoup de boxeurs. Parce que le moment où tu m'as dit, on a beaucoup de choses pas d'indi, il y a arbitre, na d'indi na quatre dans le lit. Vous avez vu ça? Alors franchement, mais bon, il y a moyen d'améliorer ça. Parce que un ring, ça coûte combien? Ça coûte 4 000 $. Ok. De 4 000 à 15 000 $. Vous, la fédération, va payer ça. Le président Fatih Abimi Silbino sur 3 000 000 $. Qu'est-ce qui vous empêche d'acheter 20 rings pour distribuer à travers Kinshasa. Sauf que nous avons un peu sport. C'est une mission plus d'1 000 000 $. Et là, on est empêché aujourd'hui 20 rings au Pandia ou au Congo. Et là, on est rien du tout. Comment ça s'organise la boxe en Angleterre, par exemple, dans le pays au Tamboli, dans le niveau de Mikiev, ils s'organisent à Randéini? C'est entente, la bonne entente. Ils ont la bonne entente. Ils ont le niveau, il y a l'école, il y a la boxe scolaire. Il y a la boxe académique et la boxe de rue, donc les professionnels, les amateurs. Après, ils convergent à la place, Mourou? Ça dépend de médailles. Il y a des médailles au niveau local, niveau régional et puis national. Okay? Il y a bien sûr local championnat, national championnat, national championnat, souvent yébanité. Et puis même yébanité pour nani parce que bah, c'est la compétition. Si y a un petit peu de chance, babouna régulièrement. Au Congo, au Congo, à qui a une médaille. Parce que maintenant, il nous faut une médaille olympique. Hein. Est-ce que tout ça m'a cassé pour de vrai? Le Congolais. Les boxeurs congolais. Naturellement bien. Ok. Naturellement. Mais pourquoi vous avez besoin d'exceller quand vous travaillez au Liban dans des bases? Mais pour ça, président, il y a une boxe. De toute façon, là, on a un président de fédération. Ok. Pas seulement il y a boxeur. Avant, il y a un comprendre. Mais il est occupé. Il est général d'armée. Il est président de la fédération congolaise de boxe. Il est sponsor, il va combattre sa boxe, il est sponsor. Il est sponsor, il est hein? Au Kamati, il est dirigé par un boxeur professionnel. Est-ce qu'il a le temps de s'occuper de lui? Oui, on attend, on attend. Donc, nous, on vient, c'est pas qu'on n'en veut pas, mais sa place n'a été. Est-ce que vous avez les moyens pour tenir le commodel? Oh, on a un peu de temps, on est à ce moment-là, c'est mon temps, je viens, je me dis. Je vais faire quelque chose que j'aime. J'ai joué la musique, je suis dans beaucoup de trucs, je suis dans les assurances, très bon salesman. Mon sport, c'est la boxe. Il me reste peut-être 5 ans, 10 ans de vie pratique, tout si sans haut. Tant que la boxe dans le Congo, tant que comment on a à côté. Ambition dans le Congo. Alors, mais maintenant, au Longoli candidature, pourquoi venons-en directement? Pourquoi au retrait candidature? Non, pas du tout. Le problème, ils allaient avant. Ils ont non-respect de texte. Le lobby, état de droit. État de droit, il y a juriste. La fédération est commis hors mandat. Mandat est sili. Ok? C'est la fédération, il fait ça à la CIGO, Assemblée générale. L'Assemblée générale, il y a le bani, il y a le boxeur, il y a entraîneur, il y a le côté de la salle. Il y a le bilan. Tout ça, il y a le bilan. 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 Il y a donc 15 jours après, je dis bien 15 jours, c'est écrit dans les statuts. Vous allez à l'Assemblée générale élective. Bah voter binona, bah tout banimba contre la fédération, bah yé, bah voter bango. Or, qu'est-ce qui se passe ici? Le président, notre général Luyo, fin mandat, de lui-même, il crée une commission électorale. A dû les commissions électorales, a dû bah camarade naïe, à côté de la commission, bah annoncer qu'il y a les élections qui arrivent, les candidats ou banimba à la candidat, bah poser bah candidature. Moi, je suis sur la télévision partout. Hein, on a envoyé des textes pour poser ma candidature. Ils ont retenu, au niveau de la présidence, 4 personnes. Au niveau des autres postes, donc c'est la première vice-présidente, deuxième, troisième, quatrième, secrétaire général, les mêmes personnes, Bazalakinaï. OK? Autrement dit,
Leur ambition, c'est garder la même fédération où il y a Utiawa, Yango et Kenabo. C'est quoi? Parce que les quatre on a les colos. Parce que les sélections, on a critère Nini. Je sais que le champion Manda Mukadi et le président Aimé, ils avaient les dossiers complets. Mais bah, il y a déjà Magou et les Kababoui, ça va le dossier Nabango. Parce que, à cause de la fausseté de la démarche, c'est le département des sports qui a convoqué commission, a créé commission électorale. Et non le bateau et la fédération, parce que la commission électorale. Donc, fausseté, ça, on a besoin de respecter la texte. Et les gens, ils ont dit, il y a aussi, il y a voté, il y a un bateau, il y a un bateau, il y a un bateau. Donc, il y a un bateau, il y a un bateau, il y a 0 sur 20. Ok? Ok. Ma mesure de motivation, il y a 0 sur 20. Ma vie, c'est la boxe. Lui, il ne connaît pas la boxe. Maintenant, quand beaucoup m'ont l'élection, si tu es sur le bateau, tu vas province, il y a un moyen de loger dans un hôtel dans Kingabwa ou ailleurs, tu vas. Ils ont voté, mais non. Si on a 20 électeurs, tu crois qu'ils vont voter, non? Mais donc, les choses sont faites pour y être. De façon que Yozo, alors ça. Mais est-ce que zéro, mais c'est le mot, il y a sport, l'abuso, alors. Parce que, fait qu'on fasse, c'était la même chose. Les présidents invitent les gens, ou bien délocaliser carrément l'élection. À tiens, au placement, au habit que Yozo. Parce que le ministre laisse faire. Est-ce que vous pensez que le ministre est dans le coup? Dans le coup, c'est un peu accusation directe. Moi, le ministre m'a fait l'honneur de me recevoir en Aguinaï. Un garçon comme toi, là, tout doux, bien posé et tout, à l'obinanga, comment fait sa suggestion là. Ok? Lettre à Ebi Anguadjouango. Et où tu n'as le département de sport? Directeur de sport à l'obi que commission électorale, ils arrivent reconnus. Quand si tu n'as élection, ils ont élu. Directeur de sport, secrétaire général de sport, ce sont les patrons de sport. Bah, l'obi que, bah, ils reconnaître la commission électorale. Si tu n'as pas de marginal, tu n'as pas de marginal. Qui t'envoie aller là-bas? Il y a des gens qui ont une question indirecte pour qu'on ait une élection. Autrement dit, pour qu'on ait une élection. Aujourd'hui, il y a une élection, il y a Mouyibi. Est-ce que le ministre est au courant que... Il est au courant. Cette lettre-là, c'est la copie du ministre. Je peux la lire? Oui, bien sûr. Je viens d'apprendre que vous venez de mettre en place une commission qui sera chargée d'examiner des dossiers des candidatures aux différents postes du bureau fédéral de la FCB. Cependant, il me revient de constater que la désignation de cette commission n'est pas conforme aux dispositions de l'arrêté ministériel numéro du 26 décembre 1997, rapportant aux modalités d'organisation des élections des organes dirigeants du mouvement sportif en République démocratique du Congo, plus spécialement ses articles 10 et 11. Alors que le secrétaire général au sport et loisirs vous avait remis une copie de cet arrêté lors de l'entretien que vous aviez eu avec lui, en ma présence en date du 27 décembre 2021 dans son bureau. Je vous exhorte donc vous conformez aux dispositions réglementaires suis évoquées. Veuillez agréer, Monsieur le Président. Quelle a été la réaction? Aucune réaction. Bon, maintenant, comment spéculer? Le président Lou Yoyo a tamoulana ministre. Donc, nous sommes au fond parce que le ministre, s'il veut être vraiment correct, il doit appliquer la décision où est dans le département sport. Donc, il doit arrêter ces élections, demander au département de créer une commission électorale, que les gens viennent légalement, proprement, poser leur candidature. Comme ça, les sollicitent. Et si on n'arrête pas? Si on n'arrête pas, les élections truquées auront lieu le 31, lui sera président avec toute son équipe sortante, et puis les autres, nous, donc, dans la cour à cassation, tout le monde va ça prendra le temps de se vendre, mais ça sera annulé. Mais c'est la belle chose, c'est la plus belle chose de faire à faire. Il y a ouais, bon, c'est un mal pour le bien. Le problème avec nous, c'est que parfois, nous ne saisissons pas les institutions et puis on crie directement à la tricherie. Quand vous voyez qu'il y a une tricherie, saisissez la cour. Oui, d'accord, mais entre-temps, les jours avancent. Le Conseil d'État, d'ailleurs, je pense. Oui, les jours avancent. La grande compétition, moi, ça l'a noté comme francophonie, ils ont parlé de oui, francophonie. C'est la France, le Canada, le Maroc, l'Algérie, Gabon, Cameroun et tout ça. Donc, il y a mes médailles, il y a zéro. Parce que la cour de cassation, vous allez. La cassation a battu dans 1 000 000 $. Le Conseil d'État. Beaucoup laissent 3 ans, vous tournez en rond. Ça gagne quoi? Mais est-ce que vous avez la possibilité aujourd'hui d'agir en termes de. Donc il y a samedi, dimanche et lundi, quoi. Lundi, les élections auront lieu. Non, je parle plutôt, il y a Sokobimi président.
parce que vous avez besoin de médailles. Est-ce que vous plan dans les alliés, dans la francophonie, vous avez dans 6 mois, tu pourras former des gens pendant 6 mois. Les gens sont là. Oui. Les mettre à niveau. Les mettre ils n'ont pas de compétition. Le problème ici, c'est de compétition. Est-ce qu'en 6 mois, vous pouvez les mettre à niveau? En 6 mois, il y a moyen de faire boxer au moins 12 combats chacun. Oui. OK? La boxe, c'est compétition. C'est comme l'athlétisme. Moutassa la attend à 9 secondes 10. Ce qu'on va s'aller 2 jours à s'entraîner, après ça, 9 secondes 10. Donc, il faut garder la discipline, la nourriture, le repos, les entraînements et la compétition. Tout ce qu'on demande à boxe maintenant, c'est la compétition. Donner la chance à tout le monde de boxer et de prendre les meilleurs. Or, il y a ce temps aussi, là, au Rio, le prochain combat, et aux allez fin juin. Vous voulez que c'est la bonne alerte? Non, actuellement, donne-moi mon téléphone, on va terminer cette émission. Que tu me dises, ce qui, en tant que professionnel à boxe, comment tu en penses. Il y a polémique, hein. On a toqué. C'est juste pas la polémique. Est-ce que ce boxeur... Ma femme adore regarder Christian. Oh, je la salue. Je la salue beaucoup même. D'accord. Alors, dites-moi si c'est... Alors... Oh, c'est toi. Ah. Ok. Si on avait l'occasion, tu peux te lever. Oui, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on peut se lever avec... Côté les mains. D'accord. Bon, l'ennemi me dit qu'on peut. Gauche, mais tiens les beaux. Oui. Gauche, mais tiens les beaux comme ça, on a bêta. Là, on se montre. Bam. Bim. Et puis tu téléphones. Ok. Aux autres, hier qu'on la boxe déjà avec des erreurs. Aux autres, téléphones, aux autres, bêtes. Tu peux mettre un ping, ping. Et ça, il y a qu'à vitesse, n'a puissance. Ok. Comment tu as fait? Ok. Combien de temps? Je suis là. Ok. Ce qui est beau, comme on est en gauche, je me rappelle dans mon corps. Ok. Ping, ping, ok. Ping, ping, ping. Crochet dans les yeux. Tant que je suis dans ma guérie, parce que moi j'ai fait de karaté. Ok. Aux autres téléphoner. Ok. Aux autres, ma guérie, il m'a pas la mort. Maman. Donc, c'est POUM! La qui m'a dit. Très bien. Alors, monsieur Alain Franck, c'est. Le sport, c'est un. C'est mon gaga. Donc, quand on a des gens qui peuvent faire le box. Qui corrigent les entraîneurs. Il faut le soutenir. Ah. En tout cas, merci beaucoup d'être passé. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne finalement? Qu'est-ce que l'opinion nationale doit retenir? L'opinion nationale doit retenir que le Congo, en ce moment, a la chance de détenir l'homme qui aime la boxe, qui vit pour la boxe, qui n'a pas besoin de l'argent de la boxe. Je ne suis pas nécessiteux. OK? Et qui remplit... J'ai un peu le souffle là. Oui, je comprends. Qui remplit toutes les conditions pour diriger la fédération. C'est tout. Alors, ce qui est très important, il faut rappeler, c'est la petite vidéo que j'ai montrée, monsieur Alain. On vous en entraîner en ailleurs. Oui, mais il n'y a pas de problème. Mais la vitesse, on a un moment. Non, mais c'est comme ça que tu l'as pas. En 2 mois, au boxing, on a. Ah, c'est vrai. Dès le début, il y a déjà une erreur. Oui. Tu téléphones, tu es lent. Tu dois commencer avec la vitesse. Ping. Ok. Boxe, c'est ça le gros là. Serpent, n'est pas piqué en tout. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, donc c'est un grand plaisir pour moi, pour le président. Alain Franck, président, de l'OCC. J'appelle déjà président. Espérons que la décision va être annulée et que tout va bien passer après. Et que l'on va organiser les élections dans les très bonnes conditions, parce qu'on n'organise pas les élections pour que les autres échouent, mais on organise les élections pour que ceux qui vont convaincre les gens ont un bon programme, va réussir. Mais est-ce que vous pensez que le ministre peut faire quelque chose maintenant? S'il est de bonne foi, il peut faire à tout instant demander l'annulation des élections. Il en a le pouvoir? Il a 2 possibilités. Annuler les élections, nommer quelqu'un pour assurer les affaires courantes jusqu'aux prochaines élections. Mmh. Okay? Ou à nommer et demander au département d'organiser une nouvelle commission électorale. C'est fait. Très bien. C'en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance.
Congo, Noyemani, Noyemolo, Nene, Lalisa.